Qui aurait dit il y a 80 ans que nos œuvres pourraient être dupliquées à l'infini? Qui peut prédire ce qui va se passer dans une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années? Ce qu'on peut, par contre, affirmer, c'est que nos œuvres seront toujours reproduites. Et ça, ça mérite une fête, ça mérite un 80e anniversaire. L'histoire du droit de reproduction mécanique, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, a été longue et semée d'embûches. À la Révolution française, en 1793, est reconnu le droit de reproduction graphique. Il s'applique donc aux œuvres théâtrales, aux livres, mais également, en ce qui nous intéresse, aux partitions musicales. Pendant plus d'un siècle, c'est ce seul droit qui va exister, ce seul droit de reproduction qui va exister dans la musique, pour la musique. Donc les auteurs, les éditeurs touchent à partir de ce droit de reproduction graphique. Pour résumer le développement technique autour de la reproduction mécanique des œuvres, il faut remonter au milieu du 19e siècle avec l'invention des orgues de Barbarie, des pianos mécaniques, des boîtes à musique. C'est ce qu'on appelle la musique mécanique et il ne s'agit pas à proprement parler d'enregistrement sonore. À la naissance de la musique mécanique, début 19e, timidement, et après ça a pris beaucoup d'importance à partir de 1850, il y avait des boîtes à musique, des orgues de Barbarie, des orgues de tout genre, des pianos mécaniques qui jouaient des airs musicales sans que les éditeurs, l'auteur, compositeur reçoivent un sou. Dès l'apparition des pianos mécaniques, des auteurs ont pu entendre leur musique dans la rue. Il y a eu donc des procès, des cas de jurisprudence, contradictoires. Oui, il doit être payé. Non, il n'y a pas besoin de le payer. Et les éditeurs de musique, à travers la Chambre syndicale des éditeurs, ont décidé de faire un procès parce qu'ils ont estimé que les appareils qui reproduisaient de la musique nécessitaient le paiement d'un droit de reproduction mécanique. Du coup, ils ont entamé un procès contre les fabricants de tout genre de musique mécanique, boîte à musique, etc. Et suite à ce procès en 1866, ils ont perdu parce qu'il y avait une faille juridique, c'est la nuance entre une musique notée et une musique interprétée. Le juge à l'époque a estimé qu'un appareil, il y a plusieurs appareils dans cet endroit, dont certains ont été présentés au juge de l'époque. Et il a estimé que c'était en fait une machine, comme une boîte à musique. Et la boîte à musique, pour le juge, n'occasionnait pas de contrefaçon. C'est la loi scélérate de mai 1866 qui, là, refuse de reconnaître un droit aux auteurs dans le cadre de la reproduction de leurs œuvres dans des machines. Hein. Donc on peut dire que le droit de reproduction mécanique commence mal, puisqu'il ne commence pas du tout. C'est l'Américain Thomas Edison qui, en 1877, est le premier capable à la fois d'enregistrer et d'écouter tout de suite le son qu'il a enregistré, avec ce qu'on appelle le phonographe. Alors,
l'enregistrement alors se fait sur une feuille d'étain enroulée autour d'un cylindre en rotation. Et on parle dans un pavillon, au foyer duquel on trouve une membrane et une pointe qui emboutit plus ou moins l'étain dans le cylindre. Ensuite, il faut attendre une dizaine d'années, avec en particulier l'apport de Chichester Bell, qui est le cousin de Graham Bell, l'inventeur du téléphone. Eh bien, Chichester Bell, ainsi qu'une équipe, sont les premiers à proposer un cylindre amovible, un cylindre en cire qu'on peut remplacer par un autre, si on a envie d'écouter autre chose. Ça s'appelle le graphophone. Par ailleurs, un émigré allemand aux États-Unis, Emil Berliner, fonde l'industrie du disque avec le gramophone. Et il faut vraiment attendre le milieu des années 1890 pour voir émerger une véritable industrie phonographique. À Paris, en 1902, un homme s'est distingué entre tous, il s'appelle Lucien Vivès. Et il s'est fait porteur de l'idée de l'application d'un droit d'auteur à la musique enregistrée. Il a donc été voir la chambre syndicale des éditeurs, et il leur a dit, voilà, je vous propose de vous défendre. Rangez-vous sous ma bannière. Et c'est ce qui se passe. En 1902, est intenté un procès contre tous les fabricants de phonographes, conjointement. Et l'engagé, à l'époque, un illustre homme du barreau, qui était Raymond Poincaré, qui est devenu par la suite président du Conseil. L'issue de ce procès amène à un arrêté en février 1905 qui dit que la musique chantée sera redevable aux auteurs. C'est la musique chantée et pas la musique instrumentale. Dès l'application de l'article de février 1905, il n'est plus question d'éditer un disque sans que l'auteur soit payé, pour peu que le disque contienne de la musique chantée ou de la voix parlée. Et une fois le procès gagné, il a géré pendant quelques années la gestion du droit de timbre. Chaque disque était porteur d'un timbre sur l'étiquette, à partir de 1905 jusque dans les années 30. Et la première réaction de l'industrie phonographique, ça a été de fermer ses portes pendant environ 3 semaines pour coller des timbres sur les disques alors en stock. C'est vraiment cet arrêt qui est à l'origine du droit de reproduction mécanique tel qu'on le connaît actuellement en France et tel qu'il perdure de nos jours. C'est le droit qui est mis en œuvre lorsque un exploitant ou une personne en général entend reproduire une œuvre de l'esprit. Il faut que vous ayez un appareil qui va vous permettre en fait d'accéder à la reproduction qui est fixée sur le support. Et le droit de reproduction mécanique, historiquement parlant, il est né d'abord avec les cylindres à aiguilles, et puis aussi les bandes perforées, et puis ça a été le phonogramme, et puis ça a été le cinéma, la radio, la télévision. Donc en réalité, tout ce domaine dans lequel des œuvres sont produites sur des supports, mais lorsque vous avez le support entre les mains, ça ne vous sert à rien si vous n'avez pas un appareil pour effectivement utiliser ce support. Premier accord avec les éditeurs donne 40% de la perception des droits à Vivès. Quand Vivès a vendu sa société et que la société Edifo a pris la suite de l'agence Vivès, le pourcentage était le même. Edifo, en revanche, avait cette particularité, ce défaut quelque part, de réclamer 40% de frais de gestion aux éditeurs et donc aux auteurs. C'était 40% pour les rouleaux,
pour les rouleaux et 30% pour les disques, pour les gramophones. Et il est évident que ça posait quand même pas mal de problèmes, surtout quand le disque a commencé à se vendre sérieusement dans les années 30, enfin dans les années 20 et 30. Par la suite, les éditeurs se sont mis à râler, hein, se sont mis à dire « Attends, 40%, c'est juste énorme. » Et c'est ainsi que les éditeurs, à la faveur d'une période un peu délicate sur le plan économique qui a mis en déséquilibre la société Edifo, certains éditeurs et compositeurs ont décidé de racheter cette société. Et c'est là que nous avons un compositeur, Philippe Parès, qui apparaît et qui met en place une structure, qui veut mettre en place une structure qui s'appelle l'ACE, auteur, compositeur, éditeur. Pour ça, ils ont besoin de moyens. Ils ont besoin d'argent. Ils vont donc voir la SACEM, ils vont donc voir la SACD, et leur exposent leur projet. Et la SACEM et la SACD se mettent d'accord pour leur avancer 2 millions de francs. Et là, un coup de théâtre. C'est qu'après s'être engagé plus ou moins envers la CE, la SACEM et la SACD ont sûrement réfléchi, se sont consultés et ont plutôt préféré monter une nouvelle association, une nouvelle société, afin d'être partie prenante dans cette société. Et c'est comme ça que plus tard, alors un peu plus tard, a pu naître la SDRM. La SDRM, c'est la société qui gère les droits de reproduction mécanique. Elle existe depuis 1935 et elle a cette particularité avec la SACEM, qui, elle, gère le droit d'exécution publique, de gérer tout ce qui concerne les œuvres lorsqu'elles sont diffusées par le biais d'une mécanique, d'une machine, ou même, voire, par des moyens dématérialisés aujourd'hui. Quand les canards s'en vont par deux, c'est qu'ils ont à causer entre eux. Les passants n'y comprennent rien, mais eux, malins, ils se comprennent bien. Ils se disent comme ça, des jolis riens. Coin, 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 coin. La gouvernance de la SACEM fonctionne selon un principe qu'on appelle le tripartisme, c'est-à-dire que le conseil d'administration est constitué en part égale d'éditeurs pour un tiers, d'auteurs pour un autre et de compositeurs. Alors que l'ASDRM, qui repose sur le principe du droit de reproduction mécanique, elle, gère tout ça avec un conseil d'administration qui est constitué selon le principe du bipartisme, c'est-à-dire qu'il y a autant d'éditeurs que de créateurs, auteurs-compositeurs mélangés. Puisque c'est ainsi que sont partagés les droits de reproduction entre éditeurs et créateurs. Le conseil d'administration est composé de 16 membres. Il y en a 10 qui sont nommés par la SACEM. Il y en a 2 qui sont nommés par la EEDRM, qui est une association d'éditeurs. Il y en a 2 qui sont nommés par l'UNAC et 2 qui sont désormais nommés par l'Association de défense du droit de reproduction. On est élu pour une année, élu ou nommé pour une année seulement. Donc le président n'est président qu'une année, le trésorier, etc. C'est forcément limité à une année. En revanche, un administrateur peut très bien être reconduit d'une année sur l'autre, hein, ça, sans problème. Le président, son boulot, c'est quoi? C'est d'être le premier serviteur de son conseil. C'est d'être éventuellement un ambassadeur. Et en tout cas, c'est d'être garant du fait que les administrateurs sont parfaitement conscients des questions qui leur sont posées et qu'ils sont en toute liberté d'exprimer ce qu'ils ont à dire pour que, in fine, après les débats, on puisse procéder à un vote et que ce vote exprime la seule chose qui ait véritablement un sens, c'est-à-dire l'autorité du Conseil. À la SDRM, ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir que, par exemple, pour le président, une année, c'est un éditeur, par exemple, et l'année suivante, ce sera forcément un créateur, soit un auteur, soit un compositeur. Et l'année suivante, ce sera à nouveau un éditeur. Au début, pour avoir 50 rouleaux ou 100 rouleaux en vente, il fallait que le chanteur chante 50 fois ou 100 fois le morceau.
Et du coup, c'était pas facile et pas intéressant pour les, gens, pour les chanteurs connus. Même les premiers catalogues, on nommait jamais l'artiste. C'était le morceau qu'on achetait. Les gens aimaient ce morceau-là, ils avaient envie d'entendre ce morceau-là. Et chaque enregistrement, évidemment, se faisait à la volée, il n'est pas question de montage. Dès lors, un enregistrement peut être un petit peu raté par moment. Bien, ma foi, c'est pas grave, le miracle est assez beau et on publie tout de même. Et il n'est pas rare d'entendre des disques comme ça qui commencent par, par une injonction. Allez, va ! Et là, le chanteur commence. Un artiste qui tousse en chantant. Et là, quelqu'un dans la pièce qui dit « C'est pas grave, continue !» La SRM, elle, en fait, son rôle, c'est de donner les autorisations de reproduction pour tous les répertoires qu'elle représente. Et ensuite, elle fixe les conditions de ces rémunérations. Et enfin, elle les répartit. Elle collecte et elle répartit. Ça, c'est le rôle pur de la SRM. La copie privée vient en sus de ça. Dans la partie du droit de reproduction mécanique, il y a une rémunération qui est extrêmement importante, c'est celle de la copie privée. Puisqu'il y a une exception qui a été mise dans la loi qui autorise en fait les personnes à pouvoir procéder à des copies privées d'œuvres qu'ils auraient déjà acquis légalement. La copie privée, c'est au départ une exception au droit d'auteur qui est appliquée à tous les appareils qui permettent d'enregistrer des œuvres. Le consommateur aurait acheté éventuellement une cassette vierge ou un CD vierge et l'aurait recopié pour pouvoir l'écouter chez lui à titre personnel. Il payait un prix, dans ce prix était inclus une portion qui allait d'une part à la SDRM pour les auteurs, compositeurs, éditeurs, et l'autre part qui allait aux interprètes. Vous voyez ce petit carré qui ressemble à un compact disque, en réalité, regardez, c'est fantastique. Là-dessus, il y a le clip de Gainsbourg, je m'explique. C'est un appareil qui va sortir en France le 15 novembre. Vous allez mettre ça dans votre appareil, non seulement vous entendrez la chanson, mais en plus vous la verrez, ce qui est quand même formidable. Ce petit machin, si j'ose dire, ce petit disque, c'est mieux qu'une cassette vidéo. Il va y avoir de grands disques où des films entiers seront enregistrés. On pourra tout voir dans d'excellentes conditions et le classer de façon extraordinaire. Alors ce premier CD vidéo français, avec Serge Gainsbourg, je voulais vous l'offrir, mon cher Serge, et vous poser une question. Vous avez de quoi le lire ou pas? Pas encore. C'est formidable. Le premier lecteur de CD vidéo, il est pour vous, Serge Gainsbourg. Ouais. Regardez, puisque vous êtes l'artiste avec un grand A, le voici. On est passé au CD, DVD enregistrable, et puis ensuite au téléphone portable sur lequel vous pouvez enregistrer tout un tas d'œuvres pour votre usage personnel, les box que vous avez pour regarder la télévision et avoir Internet. Donc elle couvre vraiment toutes les technologies et tout le développement des technologies là aussi au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure qu'elle se développe. La SDRM licite une reproduction de l'œuvre directement, là où en fait la copie privée, c'est une exception au droit de reproduction et en fait c'est une compensation, une réparation en fait du préjudice que subissent les auteurs à ne pas pouvoir être rémunérés pour toutes ces copies qui sont faites à titre privé. Alors l'élément déclencheur, c'est effectivement les moyens de copie de masse qui ont été commercialisés, le magnétophone en est le premier. Derrière, les ayants droit se sont émus effectivement du préjudice qui leur était causé sur leurs revenus à travers ces copies. Parce qu'ils ont vécu ça au départ comme une perte complète de revenus. Et donc, il y a eu un lobbyisme assez intense d'une dizaine d'années à coup de sondages et d'interventions auprès du personnel politique pour que ça aboutisse à la loi du 3 juillet 1985 par laquelle Jacques Lang a institué cette rémunération pour copie privée. Ministre que vous connaissez tous, un héros pour moi, un vrai, et Jean-Loup Tournier qui a été directeur général de la SACEM pendant plus de 40 ans, ont instauré, ont mis en place une loi, qui est la loi de 85. La loi de 85, entre autres,
rétribue non seulement les auteurs, les compositeurs et les éditeurs, mais aussi les interprètes et les producteurs. À partir du moment où l'œuvre est interprétée, l'interprète touche un droit voisin. À partir du moment où elle est produite sur un support, le producteur touche aussi un droit voisin. Ce n'est pas du droit d'auteur, c'est du droit voisin au droit d'auteur. Il y a une vraie différence. Et la rémunération pour copie privée existe parce qu'existe le droit de reproduction mécanique. Donc là, c'est un moyen de prendre en compte les nouveaux outils, les nouveaux types d'usages pour la musique, pour l'audiovisuel, au travers de la copie privée. Copie France reverse à la SDRM à peu près 30% de ses ressources. Les 70 autres pourcents allant effectivement aux autres sociétés qui représentent les artistes interprètes et les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes. La part qui est reversée à la SDRM et la SACEM est une part majoritaire parce que la musique est majoritaire ou la part la plus importante de ce que les gens vont copier pour leur usage personnel. Aujourd'hui, ça représente pour la SDRM, ça représente à peu près 80 millions, on ne parle pas de sous. Et cette copie privée a donc une part très importante puisqu'elle représente plus du tiers des perceptions qui sont faites au titre de la SDRM. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc c'est effectivement la traduction d'une évolution technique qui fait que le support enregistré est en train de, entre guillemets, perdre du terrain. La copie privée, c'était une exception. C'est devenu quelque part presque le premier mode de consommation d'une œuvre avant même l'achat d'un exemplaire. La copie privée fait beaucoup de jaloux et surtout les industriels pensent que la copie privée ne participe absolument pas à un cercle vertueux qui est bénéfique économiquement à tout le monde. Donc les industriels, eux, ont voulu et souhaitent toujours, quelque part, la mort du système de la rémunération pour copie privée, simplement parce que ça réduit leur marge. Ils n'ont pas compris la vue d'ensemble. On a eu très peur, on a eu très chaud. Je pense que la Cour de justice, depuis une dizaine d'années, commence à rendre des décisions qui viennent en fait conforter le principe même de la copie privée et étayer sa justification. Donc globalement, les ayants droit ressortent plutôt grandis de cette bataille plutôt qu'affaiblis, même s'il y a un certain nombre d'évolutions techniques qui sont liées à ces décisions de justice. Contrairement aux idées généralement admises, l'industrie phonographique à la Belle Époque, c'est-à-dire avant 1914, n'est pas vouée à donner de la musique à quelques élus, à des gens qui seuls auraient les moyens de s'offrir un phonographe. Et très tôt, les industriels ont essayé de promouvoir les musiques les plus populaires. Pas le grand opéra, mais l'opérette, l'opéra comique, l'opéra bouffe. Voilà des choses, des pièces qui se jouaient à Paris en particulier. Dans ce contexte, les artistes les plus renommés ont un peu tardé à venir au phonographe. Il faut vraiment attendre 1902 pour voir apparaître des grands noms, tels que Sarah Bernhardt, Enrico Caruso, tout le monde le connaît. La machine, elle déforme quand même la voix. Et c'est à cause de ça que les interprètes, beaucoup de chanteurs qui étaient connus déjà, ils n'ont pas voulu enregistrer. Parce que pour eux, c'était ridicule. C'était plus intéressant d'aller voir la personne en salle. Et surtout quand ils étaient en salle, dans un concert, ils chantaient pour 100 ou 200 personnes. La dernière date dont j'ai envie de vous parler, c'est 1999, puisque c'est le premier contrat SDRM-SACEM signé avec un site de musique en ligne qui s'appelait France MP3, qui n'existe plus, qui a disparu depuis. Mais cette date, 1999, c'est déjà le siècle dernier. Et ça vous montre que, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, le droit d'auteur n'a pas été en retard quand il s'agit d'Internet ou des nouvelles technologies. En 1999, il faut compter qu'il y avait à peu près 200 000 personnes en France qui étaient connectées à l'Internet. Donc, on ne peut vraiment pas dire que la SACEM et la SDRM aient attendu pour s'intéresser à l'Internet et aux nouvelles technologies et aux droits des auteurs sur ces nouvelles technologies.
Là, nous sommes confrontés à ce maelstrom, ce tsunami que représente Internet. Et je pense que, bien évidemment, on ne peut pas faire l'économie que d'être parfaitement dans la conscience de ce qui se passe. Quand je vois aujourd'hui l'essor d'Internet, on est à nouveau vraiment dans la continuité de cette mixité de droits qui sont intimement liés, puisque la diffusion ne pourra jamais avoir lieu sans la reproduction. Donc on reste sur deux droits qui, finalement, restent pour moi totalement fondamentaux. La question du cloud, c'est un problème extrêmement difficile. Hein. Bon. La vraie question, c'est de savoir si ça relève du droit exclusif de reproduction qui est reconnu aux auteurs aux éditeurs, si ça relève donc du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire. Les opérateurs de cloud, les services de cloud, devront, pour effectuer les reproductions qui sont nécessaires, obtenir l'autorisation des ayants droit, c'est-à-dire des créateurs et des éditeurs. Ou, éventuellement, si ça relève de l'exception pour copie privée, auquel cas on n'a pas besoin d'autorisation, et les ayants droit reçoivent une rémunération qui est fixée par la loi. Bon, aujourd'hui, le débat n'est pas complètement tranché. Récemment, au mois de juillet, je crois, est intervenue la loi sur la liberté de la création, l'architecture et le patrimoine, qui considère que ce qu'on appelle les services de NPVR, qui permettent à un particulier de recevoir chez lui les enregistrements des programmes de télévision, relève de l'exception pour copie privée. Nous avons évidemment tous les accords Internet qui sont en train d'être renouvelés, puisque jusqu'à présent, on a toujours eu la philosophie de faire des contrats assez courts pour pouvoir s'adapter à toutes les évolutions du marché. Donc en ce moment, on est en pleine renégociation, notamment avec YouTube, donc très important, puisqu'il y a aussi bien du contenu musical que du contenu audiovisuel, et donc a fortiori du droit de reproduction mécanique attaché à ces exploitations. Et puis, nous sommes en train de finaliser des accords qu'on appelle de VOD ou de SVOD, qui sont en fait des accords d'abonnement de visionnage de films audiovisuels sur Internet ou à la télévision, tels que Netflix, Canal Play. Et puis, nous sommes aussi en train de faire tous les accords de finalisation avec la catch-up, c'est-à-dire le replay, télévision de rattrapage, où là aussi, évidemment, nous avons du droit de reproduction. Donc, en ce moment, ça ne cesse jamais. C'est un travail quotidien de signer des accords. Fêter la SDRM, c'est fêter aussi la modernité du droit d'auteur, parce que finalement, entre la fameuse loi de 1866 et aujourd'hui, il s'en est passé. L'eau a coulé sous les ponts. Beaucoup de combats ont été menés, ils ont souvent été gagnés. Et l'un des derniers combats en date, ça a été la reconnaissance au droit à rémunération pour la copie privée. N'oublions pas, là aussi, que une exception a précédé un droit. C'est en 1957 qu'on a reconnu le droit de nous tous à copier, nous les particuliers, les consommateurs, et il a fallu attendre la loi de 1985 pour qu'on reconnaisse un droit à rémunération. Le fait qu'aujourd'hui on filme cet échange sur un smartphone, sur lequel, là aussi, des droits sont touchés et vont pouvoir être répartis aux ayants droit, c'est un signe de cette modernité et ça montre à quel point notre SDRM a un bel avenir devant elle. L'avenir de la SDRM est lié à l'avenir du droit de reproduction mécanique. Le droit de reproduction, pour une œuvre, est doté d'un avenir immense. La musique se dématérialisant, il y a de moins en moins de supports. La copie privée va donc prendre une part de plus en plus importante, effectivement. Mais on peut aussi constater que Internet n'a pas tué le droit de reproduction mécanique. Bien au contraire. C'est-à-dire que le droit de reproduction, il est partout. C'est pas, même s'il n'y a pas un CD, même s'il n'y a pas un objet physique, le droit de reproduction, il existe pour tout support, même support dit virtuel. Au fond, il y a toujours un support. Même quand vous faites du streaming, vous pourriez vous dire « mais en fait, je télécharge rien, donc il n'y a pas de reproduction mécanique ». Mais si, puisque pour que vous puissiez regarder une œuvre en continu, regarder une œuvre en streaming ou l'écouter en streaming, il faut bien qu'elle soit copiée quelque part sur des serveurs. Et bien, c'est cette copie-là qui va donner la possibilité d'avoir un droit de reproduction mécanique. Au bout du compte, lorsque quelqu'un, par le biais du cloud, souhaite entendre telle ou telle ou telle ou telle œuvre, eh bien, il l'entend bel et bien, il en profite bel et bien. Et à partir de là, puisque il y a une activité commerciale, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par abonnement, que ce soit par des interventions publicitaires, etc., c'est là où la légitimité du droit de reproduction mécanique prend tout son sens. Finalement, en 81 ans,
Je pense que la SDRM a vécu tellement de situations différentes. C'est incroyable de se dire qu'en finalement un si court laps de temps, elle a vécu autant de technologies différentes, de nouveaux entrants sur le marché. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que les technologies, elles sont soumises à l'obsolescence, elles deviennent, elles, obsolètes, alors que le droit d'auteur, il n'a jamais été obsolète et je pense qu'il ne le sera jamais. La centième année de la SDRM, je la vois déjà, je pense qu'elle existera. Elle sera sur tout ce qui est des formes nouvelles de reproduction, parce que je pense que tout un chacun continuera à souhaiter avoir les œuvres près de soi. Donc il les reproduira ou il en aura accès d'une manière ou d'une autre près de lui. C'est à la SDRM de trouver les bonnes solutions dans les évolutions techniques pour continuer à exister. Et aujourd'hui, quand on parle de téléchargement ou de streaming, on a l'impression qu'on parle de choses qui ont déjà vécu. Apple Music a 11 ans, enfin je veux dire, c'est rien, iTunes, c'est rien. Et la SDRM a su s'adapter à tel point qu'aujourd'hui, elle représente des répertoires anglo-américains tels que celui d'Universal Music Publishing ou de Whitsun Publishing, qui ne sont pas allés confier le mandat de droit de reproduction mécanique, de leur mécanique à une société anglaise ou américaine, mais à une société française, la SDRM. Donc je pense que justement, ce côté novateur, cette envie de vouloir toujours défendre au plus les créateurs et savoir s'adapter à un monde qui est tout le temps de façon permanente en train de bouger. C'est ça qui fait la force de la SDRM et moi je suis persuadée qu'elle a encore un rôle à jouer très important dans les années à venir. Je voudrais ajouter quelque chose pour les jeunes générations. Leur dire que ce que nous avons hérité de nos aînés, il ne faut surtout pas qu'ils croient que c'est quelque chose d'acquis, d'immuable. Il faut au contraire qu'ils prennent conscience que personne mieux que leur père saura prendre en considération et saura prendre soin de leur avenir, tant économique que philosophique, et que certains d'eux doivent se préparer à remplacer bientôt les dinosaures que nous serons devenus pour que des décennies encore vivent la SDRM. Nos œuvres, enfin moi j'aurais jamais imaginé qu'elles pourraient être reproduites à l'infini, et c'est le cas. Et à partir du moment où les œuvres sont reproduites à l'infini, il y a un avenir infini pour la SDRM. Je vous aime, je vous aime, et je n'aimerai que vous. Ces trois mots résument tout, mieux que le plus doux poème. Excusez ce moyen très nouveau, la déclaration d'amour par fourneau. Je vous aime, je vous aime, c'est peut-être un rêve fou, mais je n'aimerai jamais. L'association de tous les artistes